Ah oui, le premier de chaque groupe va se qualifier et le troisième meilleur, le troisième meilleur deuxième. Mais les critères sont très très difficiles. Matumona, c'est sa première passe. Matumona va partir pour Mbala. Mbala Biscotte, qu'est-ce qu'il va faire? Il est passé. Il y a beaucoup de fautes, mais l'arbitre ne sort pas les cartons. Mbala Biscotte, rapidement joué. Mbala est passé. Mbala est passé. Penalty. Voilà, penalty provoqué par Mbala Biscotte. À la 37e minute de jeu. Mbala, il est parti, il est fauché. Et c'est donc un penalty. Ça va apporter un petit souffle de soulagement à la RDC. Mais oui, l'entrée de Matumona a émoustillé Mbala. Effectivement, Mbala Biscotte, c'est un poison pour les Libyens. Il y a encore 3-4 ans, et c'était le même Mbala Biscotte qui a même fait expulser le gardien libyen. Vous vous souvenez, lors du match 2-1. Et c'est Mbala qui a fait obtenir le penalty qui avait qualifié l'équipe congolaise face à la Libye. Voilà, c'est pas la peine de discuter avec l'arbitre, le capitaine Tarek Taïeb, alors que l'arbitre togolais accorde un pénalty qui sera joué par le capitaine Chavani Nonda. C'était un hit quand même, c'est un bon footballeur, hein, il a toujours marqué. Chavani Nonda qui totalise 9 buts en 13 sélections. Voilà encore un carton jaune contre Younes. Chavani qui va certainement battre ses gardiens de but. Alors que les Libyens sont en train de protester, c'est pas la peine de protester, l'arbitre togolais a déjà accordé un pénalty. Et c'est Chavani Nonda, je ne me souviens pas, il n'a pas encore manqué de pénalty. En tout cas, il a marqué 9 buts en 13 sélections. Chavani Nonda, attention, les gardiens de but, Samir Aboud me paraît déterminé. Attention, tous les stades debout. Voilà, c'est le but. À la 39e minute sur pénalty de Nonda, la République démocratique du Congo 1, la Libye 0, tout le public est debout. Tambala, ça va peut-être faire bouger les compteurs et peut-être ça va redonner du punch à la RDC. Oui, d'abord c'est une bonne chose pour Chavani Nonda, ça lui donne confiance, ça le fait rentrer dans le match. Pour toute l'équipe, je crois maintenant ils savent que l'adversaire n'est pas imbattable non plus. Donc c'est à eux maintenant d'essayer de poser le jeu, de jouer maintenant dans l'animation offensive, tant défensive, parce que dans la possession de ballon, je crois qu'on est un peu dominé. Attention, il nous hérita, bien joué de la tête pour les gardiens. Kidiaba Muteba, 1-0. Les publics dormeurs, quoi ça, se réveille. Un public qui attend toujours le moindre but. Attention, là, on va partir. C'est le deuxième but. Oh, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, quoi ça. Mbala Biscotte récupère les ballons. Les Congolais vont repartir. Il n'est pas passé. Et le ballon est dégagé par Walisset Faye. Attention, le match devient, je crois, important et sérieux pour le moment. Bien joué, Saddam. Et il y a faute. Il y a faute. Le capitaine Loa, il communique tout, hein, par le mouvement qu'il prend. Les défenseurs arrivent en fait à intercepter son message. Et c'est comme ça qu'il n'arrive pratiquement pas à se débarrasser d'eux. À chaque fois qu'il fait un mouvement, on comprend ce qu'il veut faire. Voilà, le ballon est parti, attention. Ok, c'est Gladys qui fait un bon travail. Cette arrière du Daring Club est Motema Pembe. Ah, qui se défend très très bien, qui a bénéficié de beaucoup de conseils de l'ancien entraîneur Claude Leroy, qui lui a fait totalement confiance. Attention avec les Libyens, le capitaine, bien joué, ils sont dans la surface de réparation. Non, ah oui, malheureusement Nader Tarouni a mis ses ballons au-dessus de la transversale. On joue la 41e minute de jeu. Faouzi Benzerti, le Tunisien qui entraîne l'équipe libyenne, s'est dit toujours qu'un match c'est un match, il va jusqu'à la 90e minute. Alors le public entonne
le traditionnel Coco Dioko. Chavani Nonda. Ballon récupéré par Khaled Houssen. Khaled Houssen, Nasser Tarui. Belle ouverture sur les capitaines Tarek. Tarek Taïeb qui a perdu le ballon. Toujours les Libyens qui vont récupérer ce ballon. Attention avec Nader. Dinongo Saddam, Loi. Il y a faute de Loi, tout à fait. Ouais, c'est vrai, il a bousculé l'arrière central Younes Chibani. Donc c'est un coup franc rapidement joué d'ailleurs par les Libyens. Attention. Walides Faye qui va soulever pour une petite talonnade, mais il n'y a personne. Et ce sont les Congolais qui récupèrent. Tcholola. Kinkela. Mauvaise passe de Kinkela. Ah, je pense que Kinkela doit faire attention parce que sur le banc des remplaçants, il y a un certain Kouloukouta qui pour le moment est en super forme et peut être aligné dans n'importe quelle équipe au monde. Mais je crois que l'entraîneur a plus misé sur l'expérience des professionnels et surtout sur la régularité de tous ces joueurs. Kinkela a fait partie des joueurs qui tout cet an dernier a été appelé dans l'équipe nationale. Il a presque pris part à tous les matchs, sauf à un ou deux matchs, pour des raisons d'incompatibilité de calendrier avec son championnat en France. Mais là, Kinkela a des problèmes d'élongation, on dirait, à sa cuisse droite. Mais enfin, il est encore là. Mais sinon, il y a un remplaçant valable. Je pense qu'on va appeler le docteur Lissa pour apporter les soins nécessaires à Kinkela. Mais en attendant, c'est un coup franc accordé à l'équipe nationale de la RDC avec Matumona Rum. Voilà Matumona qui va soulever dans la surface de réparation. C'est bien joué. Ah oui, la tête libyenne. Les Libyens vont repartir. Kinkela pour Matumona. Matumona pour Kinkela. Les Congolais vont repartir ces ballons. Ah là, il y a faute, oui. Ah, ça devient un tout petit peu violent maintenant, quoi, ça. Il y a de la nervosité de part et d'autre. Saddam, Loi va partir. Qu'est-ce qu'il va faire, Loi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tout son temps. Il est passé, Loi. Il va soulever. Il a trop soulevé son ballon, mais le ballon est allé au-delà de la nuit, quoi, ça. Tout est